Ou sur Wendy 509, ou fait bon choix, tout Haïtien branché. Haïtien dans Canada, États-Unis, dans pays Mexique, Haïtien dans pays Chili, Équateur, dans Argentine, Haïtien dans pays la Turquie, la France, Haïtien en République Dominicaine, yo tout branché Chanel Wendy 509 là. Scénario dans bas Delma. Nous mettons pas dans boz, nous gain informateur nous. Et puis nous mettons pieds nous à terre pour nous capable informer toutes followers nous yo. Mais n'a dit que coalition qui gagne là dans Badelma, qui gagne bourgeois, qui gagne l'État, qui gagne la police ensemble avec population qui bataille contre vivre ensemble. Vivre ensemble dans zone ça c'est deux chefs. Barbecue dans zone et puis gagne Kempes dans l'autre zone. Nous pas tellement parler de Kempes parce que jodia véritable cible coalition ça qui gagne l'État bourgeois, la police avec population hein, qui besoin de tirer gang yo, les plus mettez focus sur barbecue. Alors, selon ça informateur nous rapporté, gagne 5 soldats qui mouri dans camp barbecue. Cela ça a tombé trois côtés aux environs de Solino, de zone Bel Air et puis dans zone Carrefour aéroport. D'abord, gagne des soldats qui tombé dans zone Anglade. Dans Anglade, gagne soldats qui tombé à peu près en deux soldats qui tombé là puisque nèg yo gagne un sniper et la police est au courant, lui même tout mettait sniper la plaque nèg raté. Et puis gagne nèg qui tombé dans Sylvia. Pour un peu le monde qui connaît zone Solino, Delma 24, yo ka gagne une idée de qui côté n'a parlé. Et puis gagne monde qui tombé dans zone Solino. Alors, 6 moun tombé dans camp barbecue, monsieur en grande difficulté. Alors, affrontement intense, match la ride, Utag en condition, soldats vivant sans mieux même rete en bandition. Maintenant, il y a une question qui se pose. Qui côté barbecue est actuellement? Fonseca barbecue toujours dans bas Delma. Précisément au niveau de Delma 6, selon sa informateur nous fait connaître. Mais li extrêmement difficile, et vont dire la vérité parce que gagné informateur nous autour de la police qui fait connaître que c'est vrai la police là li gen intention et fait bataille pied à terre, donc bataille pied à terre pas forcément bataille pour et mettre pied à terre sans sandal sans bottes, mais son bataille mettre pied à terre pour quitter char. Alors la police là intéressé, mais pour le moment tellement gagné de pièges autour de certaines zones qui stratégiques pour bandio, la police là li obligé prendre temps li étudier de nouvelles stratégies pour capable faire bataille pied à terre ou bien pour capable faire affrontement corps à corps, parce que négo souvent ouvre pas arrête là lance un défi avec la police comme quoi la police pas capable de bataille avec négo dans corps à corps, mais la police voulait faire corps à corps surtout Utag lui-même c'est lui qui a géré presque toute zone ça yo. Et puis non jou k'ap vini là yo apparemment gen encore qui était kon bataille à l'époque. Ouais comme ça, il pas loin nèg yo. Et comme ça, on pral obligé mobiliser parce que la patrie en danger. Donc, pas seulement gen Utag nan jou k'ap vini la yo, pral gen non seulement kò sa n'ap pale ya, et pral gen tout l'armée d'Haïti qui pral déployer. Et nous pral parler de ça puis devant, et c'est pour ça on gen intérêt rete jusqu'à la fin de l'émission ça pour gen l'autre information qui est important qui concernait l'armée d'Haïti. Alors, qui compte barbecue en un moment lié au niveau de Delma 6? Il faut dire que barbecue, monsieur construit une véritable forteresse autour de lui. C'est un pile piège qui mettait la police là pour leur multiplier stratégie pour capable continuer dégrainer pied bois bandit qui gagne au niveau de Delma, parce que là, on va pas dire que dans dernière semaine ça là, gagne un pile bandit qui tombé. Selon sa informateur nous qui gagne pied la terre les mêmes les fans connaît. Alors chapitre 2 nous parler au niveau de on zone dans l'Artibonite. Où zone ça? C'est vrai que nous connaît pour potentialité touristique pour festival et qui compte fête là dedans. Il est vrai que l'Artibonite c'est un coup on est capable dire département l'ouest là. Et d'ailleurs l'Artibonite en termes de morceau territoire qui plus gros dans deux pays, c'est les mêmes qui viennent après le département l'Ouest là. Et malheureusement, après l'Ouest qui finit ganglé, c'est l'Artibonite qui ganglé. Mais au niveau de l'Artibonite, nous connaissons Haut Artibonite, gagné Bas Artibonite.
Malheureusement, que le c'est aux Antibonites, que le c'est bas Antibonites, l'Antibonite, on a l'impression que tout côté au passé, li ganglé. Mais qu'on zone, côté, même l'entendez qu'un bois calé cap bail, pas jamais gagné une nouvelle sous zone ça, comme quoi, gagné bandit t'a occupé. Mais, vous connaissez bandit au tout côté presque là, au niveau de l'Antibonite, et dans ce sens, nous apprenons, selon un informateur que nous avons là-bas, yon arrestation que la police lui-même n'est arrivé faire dans zone Saint-Marc. Faut dire que commandant Julio konsa konnèl li te jwenn arrestation li nan fief li ayer dimanche ki te 16 juin 2024 lan li même ki ont identifié comme une présumé chef gang de Timonette yon localité 5e section communale dans Saint-Marc. Individu sa li même li spécialisé nan volé bête, nan détourné camion marchandise et nan touye moun. Gang Timonette la li opéré sous plusieurs communes. D'abord, li opéré sur Saint-Marc, li étendit tout sur une autre commune et c'est Grande Saline. Li l'agricole tout au niveau de Liancourt. Et puis, li fonctionnait sous des chapelles, bon pas des chapelles non, la chapelle ensemble avec Verrette. Selon sa commissaire principal police dans zone si là, li même li fait connait commissaire Jude Jean Chéri. Arrestation de commandant Julio, monsieur qui était dehors, kounya li en dedans. Alors, ou tellement gen arrestation qui pral venir là, j'ai l'impression que faut pas une disposition qui prend pour yo capable faire même j'ai avec président Salvador là ou bien président Honduras a fait montrer là une dame qui pral construire une prison de 20 000 alors siège ou bien casier ou bien qui capable prend 20 000 moun fermé pour compte. Et là, on dit en prison à prendre 20 moun fermé pour compte, ça veut dire et il est capable prendre jusqu'à même 40 000 moun, soit considérer que yon casier prison capable prendre au moins 2 prisonniers. Donc si nous combat avec n'a fait sérieux là, nous dit n'a bataille contre gang, en même temps nous besoin zam pour bailler la police là, mais nous connaissons en même temps tout, comme c'est pas toute gang n'a privé touyer. N'a besoin construire prison puisque pas presque gagne encore là. Et avec commissariat pour mettre nèg qui pas arrivé mourir dans affrontement ensemble avec la police. Parce que pas oublier que sort bandi yo c'est pratiquement trois options que lié. Première option c'est dans affrontement avec la police éventuellement capable mourir. Deuxième option c'est dans affrontement contre un gang rival. Et puis troisième option dans cas d'infiltration côté yo fait un lieutenant touye chef gang. Donc nèg yo konn ça malé averti parti kokobé. Donc si c'est pas la police qui touye forcément son chef gang pareil ou t'a passé où à l'infinitif. Donc faut dire que son plan de nettoyage qui est là là parce que nous obligé entrer dans plan ça pour nous capable nettoyer deux départements. D'abord l'ouest là qui c'est Big Womoson sous bout territoire là, il fait une gangle net. Et l'ouest là, nous capable dire Port-au-Prince là surtout. Et dans zone entrée nord Port-au-Prince à sortie, li ganglé. Dans zone entrée à sortie sud Port-au-Prince, li ganglé. Donc, Port-au-Prince en ganglé. Et depuis Port-au-Prince en ganglé, c'est comme si tout département l'ouest là lui-même, li ganglé. Alors, kounya là, le fait que nous et l'Artibonite a suivre même chemin hein, il est important que grand plan de sécurité pour couvrir tous les deux départements ça et tout faire un nettoyage complet. Et comme nous je cap venir là yo PNH là avec la FADH l'armée d'Haïti yo prend le travail de commun accord et ça qui pral renforcer système sécurité paysan. Donc nèg yo ta tout profiter lundi nèg yo nèg ak femme cap diriger l'état yo ta do tout profiter faire un nettoyage complet de ces deux départements pour éviter que l'autre yo vienne gangler dans même niveau avec département Silayo. Nous parler rapidement au niveau de Delma 33. Au niveau de Delma 33, il y a un drame qui arrivé dans la nuit dimanche 16 juin 2024 là. En pile coup de balle tap tiré jusqu'à 11h du soir, il y a une exécution sommaire qui faite par des hommes armés et en uniforme la police qui était entré dans un cas et puis touye
au moins 3 moun qui étaient récemment sortis dans Delma 9. 3 moun sa yo répond au nom de Wildorf Pierre, Reynaldo Pierre ensemble avec Reynaldson Pierre, c'est au même que nèg en uniforme la police a été ciblé et gen l'autre 4e moun qui mouri qui t'a apparemment empêché que nèg yo fait crime ça, li passé à l'infinitif donc 4 moun nan même famille qui mouri au niveau de Delma 33. Par ailleurs, faut dire que maman monsieur Damsayo qui était d'ailleurs dans Kailan était épargné par drame ça. Et selon moun qui était dans zone là, après un constat légal, corps individu ça a été levé hier lundi et moun sa yo aller pour pas jamais tourner sur la terre encore. Donc yon nan bagay ki important pour nous souligner c'est qu'on parle de des hommes armés portant des uniformes de la PNA, ça veut dire des nèg qui gen zam nan meyo avec uniforme la police, mais pas un ken moun qui connaît si c'est la police. Et c'est la désordre là. Donc c'est la police qui en désordre. La police qui pa gen contrôle zone stratégique yo, la police qui pa gen contrôle uniforme li, donc l'uniforme de la police c'est lui même qui identifie elle, et ça son gros désordre qui commençait ça gen un bon bout de temps depuis après André Sol pas vraiment gen des mesures qui prend pour identifier la police là du moins. Donc et DGPNH là, est-ce que il est capable faire ça, nous pas connaît, sauf que nous voyons que la police aujourd'hui là pas vraiment gen moyen pour identifier yo. Donc et pour nous capable illustrer bah ça, li ramène nous avec une analyse que Claudie Garçon avant de mourir t'a fait. Côté monsieur t'es pratiquement annoncé ça qu'a venir là, des ordres qui gagnent dans la police à côté, pas y a aucune façon pour identifier la police. Est-ce que je ne dis on m'a dit m'gain police? Est-ce que m'gain police? Est-ce que m'gain corps de police? Oui, mon bande gars en uniforme dans la rue, m'pa konn ki moun yo. M'pa konn ki moun yo. Son bande gars en uniforme, jodi yo en bleu rouge, demain so en noir rouge, après en crème bleu, après so en caca jaco, finalement personne m'pa konn. Mais pour mettre un uniforme sous moun sa dans la rue, faut bon loi, oui. À chaque fois pour changer l'uniforme, il faut bon loi pour changer. Donc chaque mec qui vient dans tête police là, il crée propre uniforme pareil parce que ça c'est corpale et puis personne va dire rien parce que c'est façon pour nèg faire comme tout. On pile uniforme à fait, grand 10%, grand 20% et puis nèg a créé compagnie pour faire uniforme et puis l'état pas dit rien. Maintenant qui sont prend, même police en danger à population parce que m'a dit moi me connais en crème bleu, on bonjour hier yeah, moi deux sous moto. Moi ou avec un baise tout noir sur. Et puis pas grand ken signe pas grand, seulement gen zamborin et cetera. Et puis me font camper, me dit oh, monsieur comment nous est là de son moto parce que moi qui frappé, il a viré mal devant. Et puis me camper quand même pour garder si me pas toucher. Je dis na forme mettre là, me dit oh, et qui quoi ça? Je dis c'est policier nous, me dit ah bon, OK, pas de problème, viré mal. Donc maintenant qui sont prend? Donc yo même toute population qui a interprété qu'après pour n'importe qui monde. Donc Anel TG si yo gen l'esprit ça fait. Yo ral un uniforme bien sûr, dès yo mettre un uniforme sur, mais y a passé tant que n'importe qui policier dans la rue. Maintenant est-ce qu'on a combien de policiers qui ont? Qui effectif policier qui ont? Même le directeur général n'a pas dit combien de policiers qui ont. Il y a comme si nous avons dit 10 000. On dit que c'est arrivé, il y a 10 000. On garde les gens qui ont 10 000. Il y a au moins 3 000 là-dedans qui ont demandé résidence aux États-Unis, en France, Canada. Qui tout parti pour résidence, qui tout était et qui tout est le bois qui travaille. Chèque qui a sorti. Zami est dans mes yeux, uniforme est dans mes yeux, badge est dans mes yeux, depuis la police ne peut pas la même. Gain au moins 1000 que yo révoqué. Yo révoqué nègre des doul. Yo qui révoqué là avec toutes zami, tout uniforme, tout badge. Donc il soit qu'on est. Yo met un bandi armé dans la rue parce que l'ont révoqué, il pas travail, mais il gain uniforme, il gain zam. Donc son officiel, c'est ça que fait nous nègre des officiels yo. Gang yo gain moun avec yo, faut pas jouer. Faut pas jouer à gang yo. Donc ça fait nous ton 6000, dans 6000 là on 3000 qui dans sécurité gros chef toute bagarre et cetera qui la caillou. Dans même et donc ouais, dans même 3000 ça moi tire encore là presque tout nèg ouais homme d'affaires al dans business yo après c'est policier qui a suivi yo. Chef la police va connait si yo là parce que job privé qui a fait. Il a viré avec des acteurs économiques donc dans machine yo tout côté. Nèg ça connait police dans machine qui a fait n'importe qui bagarre. Donc, retour 3000 peut-être qui dans la rue population, 3000 sales, pas manger bien, pas toucher bien, pas de matériel pour le travail, garder uniforme yo tout sale, parce que ça pas intéresser personne. Uniforme yo sale, botte yo sale, à qui sont des policiers pour le travail, des fois gagne même zam yo bagay. Un policier même gazi bagay. Un policier dans la rue, garder pour qu'on ait une radio communication dans la main. En pile fois, garder ça pour être une radio communication, alors que premier zam qui est important pour lui, c'est une radio communication. Eh oui, ben c'est ça, situation très alarmante, situation qui dépassait. Et je ne dis pas qu'on va se faire là-dedans et tout de suite, non?
parce que pas de volonté politique et si vous regardez des autres qui ont fait dans la rue là, si vous regardez des autres qui ont fait dans l'espace politique là, des autres qui ont fait au niveau de l'État, dans le gouvernement, dans le parlement, dans la justice là, je crois que nous avons un problème. Alors, ce n'est pas seulement la police qui n'a pas de contrôle, zone stratégique, uniforme, li, mais sur la police qui n'a pas de contrôle logistique avec ZAM. Tellement la police là, c'est politique l'a fait. Et tellement tout politique l'a empêché la police en fait travail li, et pour empêcher contrebande d'armes, pour empêcher corruption, deux mal ça yo cap ronger institution policière là et qui pas capable bay tête li zam, Jean ça ta doit fait et il pas capable tout reprendre contrôle zam qui sous territoire là. Donc la police en grand pile problème et c'est une raison qui fait que zam simaye tout partout dans pays ça et une monde qui te permet de nous comprendre ça à travers une analyse. C'est ancien DG la police, Mario André Sol, qui lui-même te montre ça, c'est un plus gros mal qui est là, qui empêche que nous avons sécurité dans le pays. On suit DGA, on ne comprend plus bien. C'est la politique qui a continué à dire, parce que c'est la police pour qui dit, mais ça me l'est. Vous comprenez? Même gens, la police perd du contrôle, a fait ZAM, contrôle ZAM sur le territoire. C'est à partir de là, l'MD là, pourquoi avoir une autorisation pour acheter un ZAM? Faut que vous écrivez ou justifiez. OK? Et puis là, ça qu'on y a, nous étudions le monde là pour nous garder si au moins nous cabons ça aurait les autorisations pour acheter une 9 mm ou bien un fusil 12 aux États-Unis. Il n'y a pas de venir aux États-Unis qu'on y a sans autorisation chef de police là. C'est pour toi ça qui est établi pour nous au moins faire même citoyen qui a accès avec ZAM pour la défendre tête. Vous voyez ça passer après? Ben la vie de changer qu'on y a, c'est l'État qu'on y a qui vient acheter ZAM pour la police. Alors que c'est la police lui-même. Qui a parti de budget qui a fait deux mois de lui, et puis qui a dit que ça a besoin, et puis à partir de ça, c'est la police pour qu'elle prenne. Bon, imagine que nous avons acheté et puis a pour la police. Je sais pas. Et puis ça passe que nous dit à tout. Avec de la paille d'autorisation pour nous avons là, tout député, tout sénateur qui a eu, ils sont venus, moi j'ai légalisé ça maintenant. Depuis qu'on légalise le constat, ça veut dire ou ouvert pour le contrebande là. Faut que vous disiez, nous avons fait ça. Ou forcer les îles pour dire que nous avons. Donc si monsieur Kounia go circuit a fait l'entrée, faut me capable bloquer circuit de façon à ce que Kounia me gagne contrôle zam nan. Or le directeur général la Kounia pour faire tel sénateur, tel ministre président, tel homme ministre président Kounia, li tombe légaliser zam alors que pas autorisation pour acheter zam nan, li gâter bagala, li va monter le gâter. Or son protocole d'accord qui était établi entre pour la police là avec autorité américaine pour monter ka au moins gagner affaire accès à zam. Donc je dis al gars net qui vient faire Kounia li vient amplifier contrebande là. De façon qu'on voit un contrôle encore. Il y a des gens qui ont un citoyen qui a gagné 6 hommes dans la carrière. Donc, depuis les gens qui ont une prolifération, ils ont des gens qui ont fait 700 000 hommes en circulation et sur le territoire, que la police a connu. Or, c'est la police même qui a eu un problème. C'est l'MT là. On va foutre des gens pour légaliser pour moi. Je ne vais pas légaliser parce que je ne vais pas avoir d'autorisation. Je ne vais pas avoir d'autorisation. Contrôle de travail. Donc, on mérite d'arrêter, oui. Bon, tu comprends? Ça, les gouverneurs, ils ne passent pas autour, pas des politiques, sénateurs, députés, à la côté de la police, à la côté de la police, à la police, à légaliser ça pour eux. Mais pour des autres, ça a commencé, oui. On va arriver bien, c'est pour des autres, ça a commencé là. Donc, nous ne pas respecter rien que nous-mêmes nous établissons. Donc, je dis, elle a plein, que ça va rentrer dans le pays, à bout de bandit. Non. C'est pas ça pour nous, mais beaucoup n'y a aucun. Je dis, elle a parlé de base, elle a parlé de lui. Il n'y a aucun exemple, mais c'est vrai. Vous avez toujours, comment vous avez toujours vendu? Qu'est-ce que ça va alimenter? Donc toute question c'est l'allié qu'on y a. Même si j'achète la police, c'est pas la fin. Bon, je vais intéresser moi avec l'examen. C'est des cas venus qui touchent l'intéressant. Mais sous yo et puis du coup, nous avons eu un cas touchant l'examen. Ça ne pas servir à rien. Pas normal. Donc avec nous, une complicité qui t'a faite dans le niveau, dans le plus haut niveau de l'État qu'on y a, et toute action que t'as faite contre les cas venus qui touchent. Alors, information concernant l'armée d'Haïti. Fandis que le ministère de la Défense l'a demandé que commandant chef force armée d'Haïtien pour prendre toute disposition pour mettre l'armée en position D. Et sa position D, c'est que mesure ça, c'est pour capable exiger que tout militaire qui est en détachement yo rentre dans la base pour capable faire évaluation. Mais nous connaissons que rentrer dans la base, c'est pour capable garder combien de qui est disponible qui est en condition pour aller rider la police là, bataille contre sécurité bien là, donc contre gang dans le pays. Alors le ministre, ou bien l'actuel ministre de la Défense, c'est Jean-Marc Berthier-Antoine. Donc son aide qui fait venir là, apparemment c'est première mesure que monsieur lui-même lui prend à l'appliquer. Donc c'est
dommage que en Haïti, l'un des ministères de la Défense, un peu monde pas vraiment well comme un ministère qui est important, alors que c'est un ministère qui t'a doué et important par rapport à l'histoire pays. On peut être quoi Haïti côté l'armée bal l'indépendance. C'est ministère de Défense qui t'a doué un plus gros ministère au côté de ministère de Justice, au côté de ministère de l'économie. Mais depuis quelque temps, depuis l'année où crasé l'armée, hein, ministère de Défense pas vos pipes tabac. Donc ça veut dire que l'armée qui t'a doué première institution pays, hein, parce que c'est l'armée qui va payer l'indépendance. On a toujours pas d'accord à l'armée ou bien certains militaires ça a été qu'on fait ou bien on moment dans l'armée à côté le pat vraiment voulait habiter avec population, on tape craser sur population. Hein. Mais l'armée d'Haïti comme institution, comme qui ont histoire, ou pas qu'à passer dans papier, ou pas qu'à rester un bon matin ou craser l'armée d'Haïti parce que l'armée existait avant même nation sacrée les Haïti. Donc on l'armée pas qu'à plus grand que politique pays, plus grand que nation, hein, et puis vous décidez un bon matin ou craser l'armée d'Haïti. Donc il faut que l'armée li retourne yon l'armée haïtienne tout parce que là nous besoin que l'armée sa capable fait là ou bien sa continue fait là son l'armée qui capable aider contrôler territoire aider mettre sécurité dans pays an. Parce que yon problème qui est là au niveau de l'armée an, c'est que l'armée an li pa gen effectif, l'armée an pa gen moun, alors que t'as supposé qu'il y a une politique qui permette que nous joignent des pays qui forment des militaires pour nous tant que là en Amérique du Sud. Il y a une série de pays là qui ont des forces armées qui extrêmement puissantes et qui modernes. On prend le cas de pays Équateur, la Colombie, l'Argentine, le Brésil. Pays ça a gagné des forces armées qui extrêmement puissantes, qui modernes, qui ont pile équipement et dans quelle coopération que nous capable développer avec eux, ils sont capables de former des militaires pour nous. On va parler de la France, on va parler du Canada, on va parler des États-Unis puisque ils ont déjà géré la police là. Mais si ouvert quand on a cherché de coopération avec des pays dans Amérique latine, non, des pays africains, parce que dans pays en Afrique, il y a quelques là-dedans qui ont des forces armées qui modernes. Donc si nous dit, nous cherchons 10 pays qui capable yo chaque la former 800 militaires pour nous, ça fait nous 8000 militaires bien formés et qui capable constituer une armée moderne en Haïti. Ou là déjà construit vraiment, nous avons remis l'armée sous deux pieds. Même si on l'armée consacre un peu de jeunes qui ont décidé de rentrer là-dedans. Parce que on l'armée consacre une opportunité pour servir le pays. Alors, il faut que l'armée a lui-même retourne l'armée d'Haïti. Parce que l'armée qui a crasé les oies sont l'armée que les Américains ont créé. Leur ont entré dans le pays à venir occuper en 1915. Et ça, ce n'est pas nous-mêmes qui avons dit. Michel Soukar, qui est historien, et monsieur me rappelé ça et c'est ça qui fait une bonne séquence pour capable comprendre plus bien tranche l'histoire ça avec l'armée qui t'a dû retourner l'armée d'Haïti. C'est la grande différence entre l'armée haïtienne d'avant 1915 et l'armée haïtienne bon qui parle des gendarmes, garde d'Haïti, armée d'Haïti, FADA, j'en verrai les là. La grande différence entre les deux, gagnon à partir de 1915 qui parle l'instrument de la volonté politique des États-Unis. Pas que l'autre bail là-dedans.